Welcome to college, B. This is gonna be a blast. Ew. Sorry, I'm late. Good morning. Là, je me suis make-up, juste faire, histoire d'avoir une tête pas sale, parce que vraiment, on a dormi genre 4 heures. C'est un petit peu mes soeurs, mes cheveux. Bon les gars, du coup là on est ready. Je suis avec Cyrine et on attend. On a déjà descendu nos valises, genre là il est quelle heure en fait? Actuellement 7h05 déjà. Oh, ça va 11h30, si on part à 7h. Ouh la rue. Anyway, du coup elle a pris son truc gris là, son coussin. Moi j'ai acheté lui à Action, je vous l'avais montré. Comme ça on va être confortable. Est-ce que t'es prête? Déjà on va pas prendre le même vol les gars. Moi je prends un vol qui va en Chine. Elle prend un vol qui s'arrête à Amsterdam. Ouais. Donc on n'aura pas le même vol. Les gars, j'ai 6h30 d'escale. Enfin, l'escale de l'année, elle dure combien de temps? 3h. Mais j'ai 12h de vol, la cache, dès le matin. Allez, 12h, nous ont bombardé. En vrai, c'est bien, là, toi, tu vas dormir direct. Moi, en vrai, c'est chiant, hein, parce que là, j'ai que 1 heure de vol. Enfin, j'ai 1h20. Toi, t'as le temps de t'occuper, t'as le temps, tu vas aller à Mifi, à tout, à l'aéroport d'Asena. Moi, je vais atterrir à... Mais je vais dormir où? Moi, j'ai envie de nage, là. J'ai envie de dormir. Regardez mon fond d'écran. J'ai mis ma veste en fourrure. Un petit pull, un gilet, non, un jogging subduet et mes hugs. Je voulais trop mettre mon goyard, mais en fait il était trop petit. Comme on aurait dit, rentrez pas, du coup j'ai pris ce sac là. On est à l'aéroport et en fait, moi et Cyrine, on vient de se croiser par hasard. Donc on va manger ensemble. Mais elle part avant moi, là on a jusqu'à 10h30. Il est 9h10. Bon les gars, j'ai pris un café latte. Et ils avaient du lait d'avoine, genre trop contente. C'est pas très healthy. J'ai pris un croissant et un pain au chocolat. On est en train de déjeuner et tout. Et Cyrine, elle va bientôt partir. Elle a fait son enregistrement. J'avais tellement peur qu'il... Vous savez la peur quand on vous dit mais en fait, on vous a vendu un ticket sauf qu'il n'y a plus de place. C'est pour ça que les gens ils me disent qu'il faut bien s'enregistrer avant. Ouais. Bah, j'avais peur qu'il me dise ça. Elle prend un café alors qu'elle va dormir. Nous deux on a deux vols, on a une escale. Moi mon escale elle est à Amsterdam, ça veut dire que je vais faire 1 heure et ensuite je ferai 12 heures. Mais elle a fait 12 heures de vol maintenant. 12h20 maintenant. I'm in Amsterdam, guys. F6, il est à 19h52. Je vais aller prendre un petit truc à manger. J'ai eu tellement de mess pour trouver mon vol. Enfin, franchement, Air France, c'est la première fois de ma vie que je prenais Air France. C'est tellement horrible. Plus jamais je prends Air France, vraiment. Déjà, j'ai peur de pas recevoir mes valises parce que je vais vous raconter. J'ai même pas pu filmer, genre tellement que j'étais débordée. Je courais dans tous les sens. Oh mon dieu, dans l'avion, j'avais trop envie d'éternuer. J'avais trop envie de tousser parce que je suis archi malade. En gros, j'ai payé un bagage en soute. Donc, j'ai payé genre 60 euros je crois, pour pouvoir ramener un bagage en soute, tu vois. J'avais l'autorisation à un bagage en main et sur le site il y avait marqué bagage en main 12 kilos. Donc pour moi la petite valise fallait qu'elle fasse 12 kilos maximum, tu vois. En gros je comptabilisais pas mon sac à main, on est d'accord, genre le sac à main ça compte pas, c'est un sac à main, c'est pas un bagage. Et ben eux ils m'ont cassé les couilles, ils m'ont comptabilisé le sac à main. Du coup ils ont pesé le sac à main avec ma petite valise et du coup bah j'étais en excédent de bagage. Moi je savais pas qu'ils allaient comptabiliser mon sac à main, frère. Y'a pas, alors comme sac à main genre je crois qu'à lui seul il pèse 5 kilos parce qu'il y a tous mes trucs dedans, genre mes caméras, mes disques durs, mon ordi et tout, mon casque, en bref j'avais plein de trucs. J'ai dû payer un excédent de bagage pour 2 kilos de plus pour mon sac en fait. J'ai payé un excédent de bagage pour mon sac à main, vous vous rendez compte ou pas? J'étais trop choquée, genre ça m'est jamais arrivé. Moi d'habitude je prends toujours Transavia, je suis désolée mais j'aime trop Transavia, genre vraiment Transavia. J'ai jamais de problème avec Transavia. Je trouve que les vols ils se passent toujours bien. Elle était grave désagréable la meuf, je me suis embrouillée avec elle et tout. J'allais limite rater mon vol. Je vais vous faire un house tour de l'aéroport de Amsterdam. Je crois que je vais aller dans ce coffee, il est trop mignon. Je pense que je vais faire un tour d'abord. Cet aéroport il est incroyable, je suis choquée. Genre regardez. Oh, les décorations de Noël elles sont on point. Un petit point là comme ça. I was not aware. Anyway, everyone is staring at me right now. I have to try my best to speak English because no one understands French here, so. Non mais je rêve, il y a un musée. Genre c'était juste mon rêve d'aller à Joey and the Juice, genre là j'en avais tellement envie. Il y en a un devant moi, genre mon rêve en fait. J'ai trouvé des places pour me poser, genre je suis trop fatiguée. J'ai trop le seum. Là j'entends rien, genre je parle, j'entends pas, j'ai les oreilles bouchées. Genre moi je voulais grave, j'avoue je vis pour les caméras. Non, non mais en fait il est trop esthétique. Je voulais grave le vert transparent, genre avec le logo rose. Parce que j'aime trop le rose et parce que le vert il est trop beau. Et j'ai pris un matcha latte, regardez le vert qu'ils m'ont donné. Un vert. Un vert, t'as peur en fait. Mais je suis quand même aigrie, genre la SDF un peu, genre qui voulait s'allonger dormir là. Mais c'est trop bien, genre ce centre commercial il est énorme, il y a plein de trucs. Je suis partie dans des boutiques de livres et genre c'est trop bien parce qu'il y a tous les livres développement personnel, genre que je vois tout le temps. En plus ils sont en anglais, genre c'est vraiment les vrais.
toilettes de l'aéroport, elles sont trop belles. En fait j'étais dans les mauvaises toilettes tout à l'heure. J'ai pas réussi à dormir en fait, sur TikTok depuis tout à l'heure. Et je sais pas, là je voulais me maquiller un petit peu, ensuite me démaquiller. Mais en fait vu que j'ai rien à faire, c'est pas grave. J'ai même pas acheté de démaquillant, donc je vais aller en acheter après. Comme ça après je vais me démaquiller avant de prendre mon vol. Mon vol il est à 20h, donc en vrai j'ai le temps. Je vais me make-upper, je fais des vidéos un peu et après je me démaquille quoi. Même si c'est un magasin qui vendait de la skincare et tout là. On dirait que je suis chez ma daronne ici en fait. Je suis arrivée, j'entends rien du tout, j'ai les oreilles bouchées. Là je vais aller récupérer mes bagages. J'ai passé l'immigration donc c'était rapide. Oh là là, j'entends rien. J'espère juste que mes valises vont vraiment arriver quoi. Il est énorme l'aéroport, par contre c'est tellement propre genre. Retiré, j'ai juste échangé l'espèce que j'avais. Thank you. Comme ça, Maïda. Annyeong. Elle m'a attendu 5 heures à l'aéroport. Là on a pris un taxi là. Non c'est pas lui. Cyrine elle m'a dit, elle pense qu'on va être bloqué dans les bouchons. Ouais en fait par contre il fait nuit super tôt genre. Là il fait grave nuit. Mais tu sais je réalise pas que l'on est en Corée genre, ça me vite. On est dans le taxi du coup. Ça sent trop bon genre. On va même pas montrer les gars, on est arrivé. On va manger où en fait du coup? Heidi Lao. Hot pot. Hot pot. Anyway. On va au karaoké. Karaoké. Du coup là on est sorti. Cyrine, Mimi, Amen. Ma caméra a coupé, bref. Là on va manger dehors. On va manger chinois. Regardez mon outfit, j'ai mis un manteau. Ça va, il fait froid mais je pensais qu'il allait faire plus froid que ça genre. J'ai encore les oreilles un peu bouchées. Manteau long. Et mes hugs. Bref, du coup, on va prendre le métro, je vais me faire une carte là. Voilà nos outfits. Bon, il fait un petit peu froid donc. Là, on vient de charger la carte. Non, hein, ça marche. Oh my god! It's working! On va manger où? Hongdae. Ah ouais, on va. Hongdae. Là, on est toujours pas arrivé, on est encore dans le deuxième. J'ai oublié de prendre une puce pour mon téléphone. Du coup, là, j'ai pas internet. Alors, elles me font des partages et tout. Et là, on va à Kinzo Mobile. On va lui acheter une puce. Ici, il y a internet partout, même dans le métro. Dans la rue. Ouais, là aussi, mais bon, c'est vraiment important. Non, j'ai trop faim, les gars. Là, en fait, en France, il est genre les 13h, même en fait. Il est 22h en Corée. Et on n'a pas mangé en fait depuis qu'on est sorti l'avion, on a grave faim. Regardez, les gars, c'est incre. Là, on est à Séoul. Je crois que c'est un centre commercial. Les filles, elles sont déjà rentrées. On va aller manger, du coup, c'est ici. Je trouve que le trajet, il est pas super long. Genre, ça passe vite en métro. Pourquoi? Parce que t'es assis, parce que c'est calme, c'est pas le métro. On a vraiment trop fort, je vous jure. Oh non, c'est où la queue? C'est ça la queue. Tu mens. Quoi? Non, je suis trop deg là. En fait, j'ai trop faim. Tu prends un ticket, après on attend, c'est ça? Mais non, on va aller se balader, non? An hour? On va prendre le peu d'eau. On va se balader. On va se balader un peu. Perfect, thank you. Ah non, mais j'avais de la lumière. Pourquoi? C'est là où. Oh là là, les forces, on va attendre une heure. Je voulais aller là-bas, regarder. Je crois que c'est un truc de seconde main. Je marche au ralenti avec mes hugs, c'est chiant. C'est tellement cute, genre. On est à Olyon. Oh my god. En plus, c'est les soldes. Ah, j'allais mourir. Des trucs comme ça qu'il faut que je ramène à Manel en fait. 7-11. Mais les filles, dites-moi, c'est lequel triangle que je prends? J'ai toujours voulu goûter, enfin j'ai déjà goûté en France, mais moi je voulais goûter ici. Un triangle. Oh non, il y en a plus, je crois qu'il est déçu. Oh, that's cute. En fait, j'ai acheté des trucs juste parce que c'est cute, genre. On va faire des petites photos. On est dans un truc pour faire des photos. C'est vrai que c'est pâle, mais d'habitude, t'as beaucoup mieux, tout est propre. Genre les mavettes de professeur là. Oui. Tu peux prendre des accessoires. I'm gonna take. On a tous mis ce petit sac. Oh, c'est joli, c'est trop. Ah mais c'est moche. Nude.
Bref, on vous montre les photos après. Ah mais c'est trop cool, on peut choisir avec qui on prend des photos, regardez. Tu peux faire avec moi. Ah je fais. Je suis trop contente. Attends, il y a pas que, il y a BTS à tous. Mais c'est qui c'est. Non, ici il y a pas. Ah c'est. Ah non, je vois chez SM. Ah il y a Red Velvet. Ah vous avez, elle est pas trop bien la nouvelle musique. J'ai pas écouté ces personnes. Un peu celle-là. Okay. Emma. Bah, par contre, je sens que vous allez faire des musiques que je connais pas. Moi, je suis pas évoluée là. Ah, oui. Ah. Ah ouais, elle est devenue folle de un peu dans mon salon, genre. Ah, les choses sont allées, mais quand même, comme c'est. Les jeux, on dirait qu'ils ont morti là. Alors. Yo, ah bah, je voulais la faire en fait, la vidéo, ouais, genre. Ouais, il la sort. Je peux te l'envoyer, hein, je pourrais la racheter à la vidéo. Vous pouvez me dire. Vous baissez. Une vidéo. Après, on peut faire un cœur comme ça, maintenant faire un cœur comme ça. Dans la tour et Cyril, vous pouvez faire. Non, vous avez nous cacher. Faites un cœur comme ça. Non, moi, je peux pas. Tout le monde fait en anglais. Ouais. Attends. Elle est trop belle. Ouais. Les gars, on s'est promené et tout. On est revenu au restaurant. Parce qu'on devait attendre une heure. Et on doit encore attendre là. On a vraiment trop faim, genre depuis on n'a pas mangé. Mais apparemment c'est vraiment trop bon donc. Oh mais ça a l'air trop bon. We are finally here. Oh, Marie-Matin, Maman, elle a rigolé. La serveuse. Les gars, on va enfin. On va enfin. Mokja. Comment tu manges Mokja. Oh là là, il y a tout ça avec elle. C'est bon là tout fait. Moi qui ai dit comme ça, alors, là, pour la première fois. Fois. Ouais. Parce que c'est trop, une truc. Tu te sens mis là. C'est pas ici ou vers nous. Donc dit, ici c'est quoi le truc le plus bon. Moi je vous suis. Hein. Apparemment faut faire la sauce. Là on a pris d'autres commandes. Yvan va nous montrer comment faire la sauce. Ah mais c'est trop bien. Mais là je peux prendre ce que je veux genre. Bon, on va en faire d'autres, c'est de faire moi qui ai envie de prendre des trucs à manger. Ou en fait, vous voyez quand vous avez faim. Il y avait le concert de TXT, il y a plein de gens qui viennent de sortir du concert. Allez, Nour, tu nous montres ce que tu fais. Mets un peu ça dans des bols. Nous, la coréenne, mets un peu de banchan. Faire une petite assiette. Allez, avec un petit. Tu nous montres. Mets un peu de tout. En fait, le truc, c'est qu'on a commandé deux sauces, elles sont en train de prendre 50 000 assiettes. L'addition, ça va piquer. Ah mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est en train de faire une chorota. Ne vous inquiétez pas. Ça c'est des algues, c'est trop bon. C'est trop bon les algues. Oh, mais elle a mis... Qu'est-ce qu'elle a mis? Tu mets comme nous. Elle a tout mis. Oui, oui, faut tout mettre. Hein. Les gars, c'est la première fois que j'aime les mochis genre. Ils sont trop bons. Le bouillon. On va faire cuire ça. Enfin nos pâtes et tout dans le bouillon genre c'est trop bien. Bon les gars là elle nous a servi la soupe qu'il y a là dans les bols. Apparemment elle est délicieuse des filles à Manji. Donc je vais goûter. Je vous mettrai tous les noms et tout des endroits qu'on est partis. Enfin je vous mettrai en description. Un peu une tarte. Oh, je suis fatiguée les filles. J'ai envie de me téléporter au karaoké en fait. J'ai la peine de sortir dans le froid là. Les gars, il fait tellement froid dehors. Là, on est venu dans un karaoké. On vient de finir de manger. Four people. Four people. En mode nuit blanche, genre. 35 000. On fait une heure. 35 000. Une heure, ouais. On est sorti qu'avec ma carte bleue, genre. Arrêtez-les. Non, en vrai, c'est juste parce qu'il est cher. Franchement, c'est trop cher, genre. C'est combien là? Regardez la rue où on est venu, elle est trop bien. Il y a plein de karaokés et tout ici, genre. Mais c'est sûr que, au pire, on va danser un bon temps, je le vois. Non, mais là, je suis dans mon rêve en fait. Vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu là. C'est tellement beau, genre. Qu'est-ce qu'elles sont venues faire ici?
Non mais regardez, et genre il y a personne, tu fais ce que tu veux ici, c'est une dinguerie. Non mais c'est trop bien les filles. Là c'est un karaoke. I give you my love, but the very next day gave it away. This is the same. I give it. Regardez la vue les gars, j'ai l'impression que je suis dans un rêve, genre vous-même vous savez à quel point genre je voulais trop venir en fait. Donc là je suis vraiment refait. Là on est dans un karaoké, il est trop beau. Waouh, l'éclairage il est trop beau aussi. Ouais. Non mais c'est trop beau genre, je suis choquée. Annyeong, regardez. Donc là. Hi guys, abonnez-vous à ma chaîne. Remets, laisse l'image, je vais filmer l'image. Il est 4h, il est presque 4h du matin. Il fait super froid là dehors la nuit. On va prendre un taxi. En plus demain on se réveille tôt, on avait envie de déjeuner. De toute façon je vous filme tout demain, ça sera le prochain vlog. Il est juste 4h du matin. Là on vient de rentrer. On est en train de se faire des petites tisanes. Et on va dormir demain, on a envie de se réveiller assez tôt. On n'a pas envie de gâcher la journée et tout, genre. Je sais pas comment on va faire. On va être KO par contre. Non, le réveil sera dur mais on sera pas KO. Et voilà, demain on prendra le petit déj dehors. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve demain pour la suite du vlog. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Welcome back, Queen Serena. Yeah.